Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer des documents directement dans Folios. Que ce soit dans votre espace Mes documents ou dans un espace Classe, la procédure est toujours la même. Dans le menu horizontal, cliquez sur le bouton Plus, puis sur Nouveau document. Renseignez les différentes zones, titre, résumé et description. Le titre est obligatoire. Le résumé, quant à lui, est facultatif, mais il est très utile en cas de partage du document. Il peut contenir les objectifs de ce document ou les compétences visées, par exemple. La zone description est le cœur de votre document. De nombreux outils de mise en page sont disponibles. Des outils de mise en forme, d'insertion de texte, d'images, de vidéos, de liens et même de tableaux. Le champ photo vous permet d'ajouter une photo qui va illustrer la couverture de votre document. Si vous n'ajoutez pas de photo, la première lettre de votre titre apparaîtra sur la devanture de votre document. Vous pouvez aussi ajouter un ou plusieurs fichiers qui seront attachés à votre document Folios. En bas de page, renseignez les champs complémentaires. Le champ Parcours vous permet d'associer votre document à un ou plusieurs parcours. Le champ Dossier, quant à lui, vous permettra de classer votre document dans un dossier ou dans un sous-dossier. Enfin, les mots-clés facilitent la recherche de documents. Saisissez un mot-clé, puis tapez sur la touche Entrée pour le valider. Vous pouvez à tout moment modifier votre document. Pour cela, sélectionnez-le et dans le menu horizontal, cliquez sur le petit crayon. Vous pouvez maintenant modifier votre document.